Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. Un rendez-vous économique, comme vous savez, chaque dimanche. Donc, nous prenons une belle discussion aujourd'hui à là. Nous toujours dans l'espace budget, mais nous allons regarder un autre angle de budget que nous ne sommes pas habitués à analyser en profondeur. Nous toujours dit que le budget, c'est une ressource domestique. C'est don avec financement. Mais je vous dis à nous, il y a un monde qui peut parler particulièrement de aspects ou contrôler hautes que vous mettez, mais qui est extrêmement important. On a recevoir le directeur général, inspection générale des finances, Wolf Dubic. Bonsoir, Kessner. Bonsoir, téléspectateurs, Radio Télémétropole. Merci pour répondre à l'invitation. Bon, Kessner, c'est un plaisir pour moi répondre à l'invitation, surtout là, nous allons parler de finances et puis nous allons parler de IGF. Avant d'arriver dans l'IGF, qu'est-ce qu'il y a Wolf Dubic là? Ah bon, alors, Wolf Dubic, pour nous, Anessa Kessner, pour elle, fait presque 20 ans de carrière. Et je me dis que c'est un avocat militant. Je me fais une licence en Haïti en droit et puis je me fais une maîtrise en droit public à l'Université de Lorraine en France. Je suis un troisième cycle, l'Université de Poitiers en France. Je suis des formations en fiscalité avec le Fonds monétaire international à Washington. Et puis, je suis des formations tout en assurance, dans le programme CATA, que le Fonds monétaire international a été organisé. Tout. Mm-hmm. Alors, je suis comme avocat depuis quelques jours. Et puis, je suis employé, je dis, réglé fonctionnaire de carrière au ministère de l'économie, l'économie des finances. Je suis entré comme jeune fonctionnaire. Et puis, bon, maintenant, et directeur général au niveau de l'inspection générale des finances. Dernièrement, je me suis dit, monsieur, je me suis dit, monsieur, il y a trois bons amis. Alors, je me suis dit, deux. Troisième, non, pourquoi bons amis, vraiment. Je me parlé de DGI. Qui a porté comme Bali, là, tout impôt qui gagne dans le pays, là, la douane lui-même qui parle pour toute activité externe. Yo. Et tu as supposé IGF, qui lui-même, qui allait entreprise publique et organise autonome. Parlez-moi de IGF, là. Qui est rôle, ça le fait? Alors, Kessner, IGF, c'est une institution créée en 2006, qui est dans la même veine avec UCREF et LCC. C'est une institution de contrôle, même chose au CNMP également. Le rôle IGF, c'est pratiquement, c'est auditer l'institution. Mais IGF, une particularité de gain, c'est que lui-même, tout, il assure contrôle, gestion, entreprise autonome. Je pense que c'est dans le volet ça. Gestion, tout. Oui, il assure contrôle, gestion, et entité autonome. Je pense que c'est à partir de là. Nous voulons parler de composantes pour la mais structure en DNGF, qui c'est DSCP, c'est Direction des Surveillance des Capitaux, qui occupait d'institutions SAO, CAP, et des organes autonomes, bien entreprises publiques. Mm-hmm. Alors, bon, m'expliquez public là, pour qui ça est important pour eux, parce que vous avez diminué le prix sur ce poche. Parce que DGI lui-même, il n'a pas de choix, salve nous, il n'a pas de pour le remettre tout, service pour ça. Il dit, impôt, c'est bail comme là. Ou pas que vous dites bon, un service en retour. Ouais. Bon, quand on dit global, oui, mais pas en retour. La douane, pas trop différent parce qu'il y a échangé ça. Tandis que nous mettons trop accent population sur taxes, impôts, bah, qui fait mal. Yo. Et si organisme pour là, tu es capable de faire l'autre entreprise qui est en bas, c'est entreprise publique, pour te plus comme en caisse là, l'on pays qui est aussi pauvre, nous avons un droit qu'on a réduit la pression fiscale sur les gens qui sont plus pauvres. La pression fiscale là est importante. Mais les gens qui 25% de la population pauvre, extrêmement pauvre, 60% pauvre. Donc, si que IGF t'a assuré que toute ma mère a porté l'aide par le ministère, ou t'a aidé les gens considérablement. Alors, forme de question, depuis l'arrivée nous dans la tête direction, IGF nous aussi prend une série d'initiatives tenant compte de ça de créatif. Par exemple, nous commençons sous Sandakale, sous contrôle. Côté, nous commençons à demander aux organes autonomes pour faire rapport régulier. Il n'a qu'à dire, comme la loi dit, ce décret 17 mai 2005, là, pour tous les trois mois, pour soumettre rapport trimestriel. Nous avons travaillé pour demander aux faire une proposition budget, qui j'ai préparé le budget, qui ça prévoit pour la contribution dans l'État. Comme ça, nous ensemble avec eux, contrôle, ça n'est l'audit, pour nous garder ces gens qui ont proposé le budget, est-ce qu'ils ont exécuté le comme ça. Qui fait, dans le cadre de ça, nous pensons, rôle nous important pour nous participer, nous avons dit, dans ça, et on parle de contribution budgétaire. Une fois que l'institution a exécuté le budget, j'en ai prévu, il a fait provision pour contribuer dans le budget national. Alors, forme de tout, bien entendu, l'institution SAO, il a créé pour compléter le budget national. C'est-à-dire qu'il y a un rapport pour. Et on peut regarder dans la dernière décision du ministre des Finances, côté nous demander à l'entreprise SAO, pour verser dividendes dans le trésor public. Or, c'est une composante en un budget, il est supposé préparer. Et ça, pour après, dans deux décisions qui soutiennent le ministère des Finances, un nombre d'entreprises pour vous et pour le budget. Et en dernier ressort, nous sommes demandés pour vous bailler les dividendes que vous réalisez. Et nous-mêmes, tout nous avons regardé l'exécution budget. Est-ce que l'entreprise a bien marché à travers le rapport qu'il a soumis
et dans le cadre trimestriellement, j'ai un décret de septembre 2005 là, et à travers le bilan, dans le fin exercice que vous pouvez faire de l'entreprise là. Très bien. Donc, encore, pas oublier que nous avons été très pédagogique. Nous n'avons pas fait 20 ans de travail, nous avons compte tout le bagage bien, donc nous obligé chaque fois pour nous faire un public là. Nous avons appelé trois niveaux. Il y a des ressources domestiques que l'État a portées sous table là, qui n'est pas suffisant pour bailler 198 milliards de gouttes là, pour avoir un don que l'État national a porté, qui est autour de 37 milliards de gouttes. Nous avons apporté près de 89 milliards. Les m'additionner de ça, je beaucoup arrivé à 198 là, je vais faire financement. Quand il y a le premier étage de ressources domestiques là, il y a trois niveaux. Il y a DGI, il y a la douane et nous même venons retrouver dans l'IGF là. Maintenant, en bas IGF là, expliquez la population. Vous parlez d'organisme autonome, nous mélangez entreprise publique, organisme autonome. Comment on définit on? Alors, ça, je ne veux pas parler d'organisme autonome. Il y a une structure, la loi, tout définit comme organisme autonome. Il y a là-dedans, tout définit comme entreprise publique. Mm-hmm. Un point cas. Nous prenons IDH qui sont entreprises publiques. Si nous prenons un cas tant APN, sont organismes autonomes. Ouais. C'est la loi qui définit. Pour qui ça? Et c'est tout simplement. C'est l'endroit. Oui, c'est ça qui est facile, c'est que ces lois, ces législateurs qui définissent comme ça. Sauf que nous avons dit que l'autre d'État ici, sont entreprises publiques parce qu'ils vendent nos services et puis ils ont un caractère commercial. Et ça fait au et d'ailleurs, sont entreprises publiques liées également. Le caractère commercial, là, je me dis dans le commencement, malgré son bail, l'État lié, je suis allé à mon service. DGI, je suis allé à mon service. Ok. Maintenant. Alors, il ne faut pas mettre DGI comme organisme autonome. On dit DGI, ils sont déconcentrés. C'est ça, je veux dire. Je veux faire public la comprendre ça, que payer un pouvoir, ou pas un retour direct. C'est-à-dire que EDH est supposé bon moment direct. Donc, vous-même, c'est dans la partie ça. Oui, donc, partie commerciale. Et comment on est là? Bon, généralement, si vous regardez l'Islande, nous participons presque pour une dizaine d'entreprises, et organismes autonomes et entreprises publiques. Bon, je vais épargner de tout bien sûr. Je vais citer par exemple, je vais parler de l'autre d'État ici, je vais parler de EDH, je vais parler de APN, je vais parler de Presse Nationale. Toutes ces entreprises publiques et organismes autonomes qui vendent nos services et en retour, ils sont supposés recevoir. Par exemple, la Presse Nationale. Est-ce que vous catégorisez pour dire, bon, ça, pour tes lettres, ça va pour tes lettres. Et au côté de gagner, c'est prêt ou pas? Oui, nous avons regardé. Et si nous prenons le cas EDH, ce sont des entreprises qui ont été créées. Qui pourra apporter, mais au cas où il ne pas remarquer, sous garde dans le dernier budget, après, c'est subventionné, subventionné. Et c'est un public à bien comprendre. Lorsque vous n'avez pas apporté le COB là, le public a quand même responsable de l'EDH. Vous ne pouvez pas mettre la sur l'EDH pour contre lui. Parce que vous n'avez pas payé l'EDH, vous n'avez pas payé là tout. Donc, ce sont vicieux que lui. Donc, quand il y a des entreprises publiques, vous avez plus attention qu'on l'autre. Et nous, je pense que nous avons une nouvelle vision. Hein, et tout ça plus faible, il faut accompagner. Mm-hmm. Et par exemple, il y a deux missions d'audit que nous faisons, quand nous faisons des recommandations. Nous disons à l'entreprise ça, mais côté faible souillé, mais ça vient pour améliorer. Et puis ça permet que vous allez vers les résultats dans la recherche. Ok. Ma proposition est là, une étude que BID fait dans la région pour nous comparer, mais on était dans la partie locale là jusqu'à présent. Et jusqu'à récemment, les analyses du budget, il y a un chiffre magique 500 millions de gouttes que toute entreprise a été comme alors, on dit APN, AAN, BNC, BRH, NATCOM, puisque l'État a une action dans NATCOM, tu vois, ouais? Oui, à travers BH et CBH qui partenaire et NATCOM. Ou même, on garde NATCOM, tu vois? Oui, on garde NATCOM, puisque nous avons une mission d'audit, tout, nous faisons sur NATCOM, et déjà. Parce qu'on dit pour arriver, nous avons produit environ 5 missions d'audit, parmi lesquelles nous avons APN, nous avons BRH, nous avons NATCOM également, qui te fait partie, et deux missions d'audit, ça, et puis nous avons ONATU. Moulin d'Haïti. Et Moulin d'Haïti, nous, pour arriver sur lui, mais lui n'a pas plein dans tout, mais nous commençons à travailler. Par exemple, nous recevons un rapport financier, nous recevons ces deux documentations, mais c'est progressif dans le pipeline là, et puis nous n'avons pas avancé. SINA. Et SINA également, tout, nous commençons à travailler avec eux, puisque nous rencontrons, nous écrivons, nous recevons la documentation. SINA, car vous avez été. Et vous avez été. Bon, réellement, quand nous commençons à travailler avec eux, nous écrivons, nous demandons, et pour soumettre ces deux documents. Au FATMA. Et au FATMA, nous avons une mission sous lui, tout actuellement là, une mission d'audit qui est sous au FATMA. Est-ce que m'oublie là? Oui, l'histoire du en ligne dit ça. Non, on t'a parlé de APN. La poste pas existe. Bon, la poste existe. Tout le monde est là, tout le monde sait recevoir documentation et lettre pour soumettre rapport et pour une nouvelle. Mais la poste est commerciale, mais on ne va pas recevoir les documents. Bon, email mon fait. Non, oui, certainement, mais par contre, il y a des documents qui ont encore été transmissibles par la poste. Ça veut dire que la poste a tout rôle dans la société au Caroma qui est dans tout le pays. C'est une aux États-Unis, il est responsable, c'est presque le premier employeur. Et au niveau de l'État.
et on regarde en France et la France sont grandes entreprises. Je pense là qu'on s'y est fort. Moi, je dis directement, depuis 2010, l'entreprise est écrasée, mais moi, directeur, la direction là, font effort quand même, l'entreprise n'est pas bon. Mais tout simplement besoin, et on a qu'à dire un booster pour l'avancer. Mais pendant qu'on dit au responsable gestion, donc, on est capable. Non, alors on dit assurer contrôle gestion. Assurer contrôle, ça, c'est une grosse différence. Donc, on est capable qu'on y a là tout. Aider ou réinventer tête tout? Oui, non, c'est ça que fait. Là, nous faisons mission d'audit là, nous faisons des recommandations. Et à partir des recommandations, ça permet que vous-même, vous écoutez au GameFi, puis vous avancez. Nous avons passé de 500 millions de gouttes, ça c'est avant qu'on arrive dans le poste là. Nous avons atteint au niveau de 3 milliards de gouttes. Un bon jour, nous avons atteint 3 milliards de gouttes. Après ça, nous avons rechuté encore. Je vous dis, je suppose qu'on va préparer le budget avec le gouvernement pour 2020-2021. Qui ambition? Bon, ambition, c'est en vertu de Samda Karelé, potentialiser chaque entreprise. Mm-hmm. Pas oublier, semaine ça, nous avons une crise. Et payer l'entreprise, et pas dire déficitaire, mais il y a un manque à gagner. Nous-mêmes, nous sommes obligés de nous compte de l'activité économique. Ça n'a pas empêché tout, nous avons motivé pour avancer. À travers le projet budget demandé, nous gardons qui ça a gagné, qui ça a réalisable. En deux projets, là, nous commençons à travailler. Sous documentation de ce voie, pour nous, qui ça potentiellement a offert comme contribution à notre budget. Donc, deux locs, ça a dérangé l'entreprise publique. Et certainement. Et au cas pour un cas en cours APN, et certainement qui réduit son activité, volume d'activité, et ça, il dérangé. D'après, c'est à APN que APN. Et oui, et APN, parce que pas tout le nombre d'importations qui est arrivé, et okay. Qui fait que réduit sur cette activité. Et nous faisons mission sur APN tout, à ça, mon quoi, et nous voyons et rapport au directeur a déjà lu ou écouté ce qu'il y a pour le faire, qui ça a pour le faire pour améliorer la performance. À une entreprise dollar en général. Et oui, certainement. Donc, on y a la choc, ça a vu que c'est pas bon de déranger au conseil. Oui, parce que nous recevons ces deux documents sur tout, n'a pas analysé pour nous garder et progressivement qui ça a bien pour faire. OK. Et en fait, cas d'école, dans le meilleur des cas, comment vous pensez que si toute chose est égale, tout va être marché bien, comment est-ce que vous pensez que vous êtes dans l'entreprise? Alors, vous me prenez une petite précaution et pour ne pas mettre des chiffres. Et parce que généralement, l'homme met des chiffres ou presque concret. Mais dans le niveau, ça, il faut nous quitter, même quand vous avez un mois, deux mois, pour me retourner ma bon chiffre. Mais je quitter ça, on attend de nous finir analyser tout le cas parce que nous avons une situation de reprise d'activité. Là, on a quitté. Et chiffre pour vous, et puis prochaine fois, même vous garantir ma porte, ma douleur. Mais ça, chaque entreprise, à travers de ça, vous proposez sous position budget, mais ça, vous réalisez. Donc, on a l'impression qu'il y a plus fort sur vous, dans le post-Covid, là, parce que le prend plus de temps pour l'État à retourner avec taxe DG, il est normal. D'ailleurs, tu n'as pas la ministre de ça, là, parce que nous avons dit que moi, à toi, après le fini, mais moi, il y a une entreprise, entreprise crasée. Parce que ça, pour moi, je comprends le public, là. Qui est l'État entre comme business model, l'État va l'autre bagage. C'est proche, moins proche. Et ensuite, toute activité douane, et Koto, et ou même Koko Afea, qui jusqu'à présent est insignifiant. Donc, il est capable peut-être, si nous faisons un bon travail dans l'entreprise, il est capable de faire une performance financière beaucoup plus importante. Je pense que tout le monde, parce qu'au niveau responsable, au niveau de l'entreprise, ils comprennent ça. Ils comprennent la nécessité, parce que si vous regardez le budget national, là, une composante, c'est contribution, c'est dividende d'entreprise. Par exemple, vous prenez BNC. Pour un BRH qui supposait compléter le budget national. Là, la présence est extrêmement importante parce que vous avez créé l'entreprise, ce n'est pas un volet social. Vous avez créé l'entreprise pour compléter le budget national. Là. Par exemple, l'entreprise, c'est pendant l'entreprise privée. Par exemple, vous avez essayé de côté de monopole, c'est une DRH, mais l'entreprise, c'est des entreprises publiques, certes, mais c'est des entreprises commerciales. Côté l'État, c'est principal actionnaire, côté supposé recevoir dividendes, les bénéfices que l'entreprise a fait pour permettre que lui-même, lui complète le budget national là pour le cas servir, ou encore desservir la population à travers obligations de gains sous série de charges, par exemple sécurité, encore service public et autres. Mais en général, ça ne va pas aller, non? Dernier soir, dit là, pour compléter le budget de l'État. Parce que nous avons toujours été dans l'aspect fiscalité. Là. Et trop souvent, le ministère des Finances, fiscalité dominant. Mais performance financière, le budget, il y a l'aspect finance. Oui, fiscalité, il fait mal, il faut mettre comme là. Mais si on a une meilleure gestion financière, et des partenaires, d'ailleurs, le ministère a un partenariat public-privé, on oui. A acheté action dans le budget pour diminuer la pression sur tête moins au niveau fiscal. Là. Et l'on paye aussi pauvre, on a diminué la pression sur le monde qui est pauvre. D'ailleurs, on répéter ça pour compléter le budget. Oui, mais pour compléter le budget national, ce n'est pas seulement en Haïti. Je prends un oui. Modèle français, par exemple, ils ont créé SNCF, ils ont créé La Poste, ils ont créé Arriva. C'est des entreprises d'État, mais ils sont là pour compléter le budget. Parce que l'État, certes,
aller sous volet fiscalité, mais la lettre sous prestation de service libre à la population. Par exemple, nous avons dit une entreprise privée, c'est une entreprise côté propriétaire, gagné, ressources, gagné, bénéficiaire, mais son délégation de service public de l'État, c'est une banque privée, son délégation de service public de l'État Bali. Mais son entreprise, nous avons dit, propriétaire, c'est des gens qui sont dans le secteur privé, mais service à profiter, son service, service public lié. L'État actionnaire là-dedans, on va pas attaquer dividende, l'État dit bon petit peu. Bon, pas non, certainement. Je propose ça, la suivi extrêmement importante là avec le directeur IGF. Je ne pas parler souvent, c'est un grand plaisir que je me suis partagé l'espace là avec nous pour comprendre ce budget national là et j'ai le dire pour compléter le budget de l'État. Je propose ça dans quelques instants. 7% mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon temps, vous bénéficiez 7% obligé. Mamie, Carole, sans aider comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité femme pas gain temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On t'a parlé de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent faire petit. Débourser pour pipiti 50 000 gouttes ou ta mettre dans obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah. Pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit déclic sous 7% là. Qui donc, pas de perdre nos marchés. D'ailleurs, c'est renouveler, c'est renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à jouer dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, à l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout le monde qui est. Ou fin parler, Carole. Malé. Kounye a gen plus avantage toujours l'on entre dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7.25%. Et puis, si quoi vous faites yon année dans obligation BRH, vous avez 7.50% intérêt sous mon l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sur Magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1 sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche 3 à 7h, chaîne 52. Et émission sable disponible sur YouTube, n'importe qui l'en blé sur Télémétropole. On a recevoir M. Rolf Dubic qui fait un plaisir et honneur de faire déplacement ça pour nous faire un gros débat là qui intéressait la population haïtienne. Là. Nous voulons parler du budget national et une partie d'un budget qui est tendance négligé. Pour ne pas penser que l'entreprise publique en Haïti, problème n'a posé. Une étude assez intéressante que BID fait publier, qui dit que même ancien problème, mais il y a de nouvelles solutions à chercher pour vous. Il y a trois éléments fondamentaux. D'abord, il y a du constat que l'influence politique est très forte sur les entreprises publiques au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Ce n'est pas pour Haïti que lié. Deuxièmement, il y a un problème systémique. Avec l'influence politique, là, il y a des gens qui disent que nous avons besoin de l'argent, nous retirer. Donc, qui vient de un problème qu'on y a fiscal, parce que il y a une crise et tout, qu'on y a l'État obligé de mettre comme là-dedans.
pas les DH mal, les DH c'est le cas classique que gagne dans le pays d'Haïti. Influence politique entreprise publique en Haïti. Et moi, je me fais une expérience comme coordonner une commission qui tape une institution publique. Certes, gagne. Mais je pense que l'entreprise publique mérite une gestion map d'une gestion privée. Parce que j'aime toujours dire, Mounio, on quitte pour la pond et puis on prend un zéa, on sépare. Parce qu'on considère l'entreprise publique comme une poule, et puis pour la pond, et puis nous prend un zéa, nous redistribuons dans Mounio. Parce que l'entreprise a suffisamment de moyens pour produire, et puis ça au produit, et puis nous redistribuons la population. Mais pas tuer pour là, mais quitter pour la pond. Mais influence politique n'a pas l'air, quel que soit le pays, m'a parlé dans la zone là. Il n'y a pas quitté le nom. Parfois, je suis dans une compagnie. Il y a un péché. Chaque grain de vin que tu prends, il n'y a pas même de préparer, non? Oui, alors, nous sommes totalement raison. Mais nous-mêmes, ça nous fait comme gestionnaire, il faut nous montrer que nous sommes plus productifs, les nous séparer les yeux que nous tuer pour là. Eh bien, autonomie, supposée vignelle, place pour là, vient obliger vos rôles, ça vraiment, pour protéger l'entreprise là de tout ça capable d'exister. Et là, on ne va pas parler d'exécutif simplement. Nous sommes vivre là avec un parlement qui entre en dans espace ça qui va un problème. Et comme je dis, c'est pas un problème haïtien, c'est un problème international qui se retrouve particulièrement en Amérique latine et dans la Caraïbe. Alors, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est surtout le contrôle. Lorsqu'on passe le contrôle régulier entreprise là, mon a un budget, il y a un bon qui gère là exécuter budget pour l'année ou recevoir un rapport financier, certes, il y a une influence politique là, mais à partir du contrôle là, ou gagner moyen pour réduire, minimiser le risque de faillite entreprise. Par exemple, mon Andy Anessal gagne 10 millions de gouttes comme budget. Il dit chaque poste budgétaire, mais ça l'a dépensé. Certes, le chiffre n'a pas respecté, tenant compte de ça pas le passé, activité politique, aléa. Mais cependant, jour pour avoir un problème, ou gagner temps, ou un client, il ne dit pas qu'il y a tel problème. Si pour prendre un budget au niveau d'entreprise, ou faire un budget rectificatif, ou après, quitter le poste pour diminuer comme dépense, qui ça pour Kembe, exactement parce que moi-même, son généraliste, ça arrivait, bon côté nous arrivait, nous étions obligés de faire un budget rectificatif. Parce que ça nous a gagné comme prévision, avec des aléas, nous n'avons pas respecté, nous faisons un budget rectificatif, et en vertu du budget rectificatif, nous transmettons le budget rectificatif là, à l'entité de tutelle, nous disons, mais ça nous prévoit pour nous réaliser. Les mêmes tout qui ont fait en projection sur l'entité, il dit, bon, comme on se voit, et le budget rectificatif là, nous avons pour se voir. Tel montant d'identité, ça, je suis obligé de reviser soit là ou soit à la baisse, tenant compte de ça, le budget rectificatif là-bas, et ajuster le tout. On comprend que l'entreprise publique là, c'est pour n'importe quelle entreprise liée, il suppose une gestion, il utilise le terme gouvernance là, même Jacques, entreprise privée, et ce que ne pas, à cause de situation politique là, qui influence celle là, fait que bah, la mal gérer. Pour qui ça, l'entreprise publique, il n'y a pas un conseil d'administration qui pas formé, j'en ai habitué faire en général, elle me dit non, c'est comme ça que le pays a fonctionné, ministre à droite, ministre à gauche, des ministères de tutelle, et le modèle ça, il estime, c'est que 40% d'entreprises en Amérique latine publique a perdu l'argent chaque année. Et par contre, ces pertes, ça n'a pas grand impact sur la qualité de vie et rendre les gens plus pauvres, puisque c'est un dit maintenant, son complément du budget national. Là. Et parfois, là, on fait perdre ça, on est obligé de prendre comme le budget national là, un petit qui est de la chouchak ça encore, pour mal mettre en entreprise là, cap mal marché, ou comme ça, tu as gagné aller pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement. Comment pour mettre le système de gouvernance ça? Pour admettre les bons séries de l'ancien emploi et l'État. Les affaires pas beaucoup n'y a parce que pas de droit long, pas de corruption. Pour qui ça ne pas carrer l'ancien emploi et ça? Tu as une bonne carrière. Je dis à gagner à la retraite, mais mettez en conseil d'administration ça. C'est des professionnels. Et que directeur qu'on y a là, il y a un rôle par eux, il y a un super directeur qui lui-même va décider à droite à gauche. Parce que l'entreprise est obligée de conseiller des gens qui veulent ou de lancer ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience que vous avez? Nous avons deux modèles déjà. Nous avons un modèle BNC qui est un conseil d'administration. Et puis nous avons un modèle BH qui est un conseil d'administration. Je pense que pour moi, ça n'a pas aucun problème que nous avons appliqué ma formule. Ça. Plus que tous deux. Formule existe, il y en a ici, moi, bon, BNC qui sont entreprises publiques qui ont conseil d'administration, moi, bon, BRH tout qui ont conseil d'administration. Ça veut dire, je pense, pas qu'il y a aucun problème. Donc, je dis, la plupart des entreprises publiques haïtiennes, c'est des super directeurs. Certainement. Et super directeurs, ça, il est plus facile de subir pression politique là, que le venu de l'exécutif ou encore du Parlement.
Donc, en ce sens, fonds mettez entreprise à fonctionner normalement. Oui, ça, nous avons dit nos modèles de gouvernance comme ça, les faciliter rôle et les faciliter, nous avons dit, directeur général à tout. Puisque lui-même, directeur général, dans le cadre de ça, nous avons dit, jouer un rôle en directeur exécutif. Puisque décision au niveau du conseil d'administration, hein, et conseil d'administration, ce n'est pas un monde, c'est un ensemble de monde. Il dit, mais sous ça, nous entendons. Et puis, nous dit directeur général là, mais ça, on va exécuter avec l'assemblée qui a fait régulièrement au niveau du conseil d'administration. Hein, et directeur a compte qui doit arriver, qui ne doit pas arriver. Et puis, décision, ça, tout. Comme il est inscrit quelque part, il y a une certaine transparence au niveau d'entreprise là. Même comme juriste, qui ça peut être fait pour être capable de mettre cette structure en place? Là, c'est décideur. C'est les deux côtés. C'est en gros prendre texte et puis harmoniser dans ce sens-là. Donc, on a fait texte? Certainement. C'est reprendre texte et puis harmoniser et j'en ouvre le. Bon. Parce que généralement, texte fait. Comme ça, je suis bon, on a plus de décret qu'on a fait. On va faire des décret pour ça? Et bon, ça, c'est au niveau de décideur. Bon, décideur, bon, nous disons qu'il est capable peut-être faire ça, arrêter là pour capable fonctionner bien. Donc, la gouvernance est un élément fondamental. La performance de ces entreprises, l'air bon, j'en dis, a pas de prendre comme l'an dernier, il n'y a pas de porter le budget de l'État pour plus de services publics et la qualité des services. Mon qualité, est-ce qu'elle existait au niveau de ces entreprises? Je pense que nous avons encore opportunité sur le modèle OVCTA. L'homme va commencer à exercer ce cas-là, je fais même chose avec l'État. Je fais l'aide de cadrage. Moi, je fais l'aide de cadrage, moi, je dis. Tout directeur en dehors de la cité pour exercer fiscal ça, mais sous assemblée. Par exemple, on dit service clientèle. Avec l'aide de cadrage là, on dit mais qui bon me aller. Ça va m'empêcher dans l'aide de cadrage là, pour me préparer le budget, je mettre sous qualité de service. Parce que qualité à client attendu. On dit, je vais investir tel montant dans la qualité de service là. Impossible. Et je pense que c'est une obligation pour impératif. Laisse ça ou plus attrayant comme institution. Là, 10 entreprises, mais 14 que l'IVA. Et combien de performances financières qui sont capables de porter comme l'enquête? Bon, même pas c'est gain en pile d'entreprise. Et nous avons dit. Pas qui est capable de faire? Bon, je vais dire, en cas APN, son entreprise, il y a une performance. OK. Et BNC, son entreprise, il y a une performance. BRH, tout comme entreprise, il y a une performance. Parce que nous, je dis gouverneur à ça, il faut nous voir une certaine transparence, il faut nous voir contribution BRH. Et là, ça n'a pas obligé de faire. Et nous avons dit. Et en cachette, il faut tout le monde connaître qui sa entreprise a contribué. Donc la transparence, tu as supposé un mot clé pour. Au niveau de cette entreprise. Transparence. Est-ce que l'on fait année? Bon, je dis à la technologie, je suppose qu'il y a un site internet, moi tout le temps on a tweet à droite à gauche. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que n'afficher performance toute entreprise, ça, moins ou même citoyen, contribuer à bio, tu es capable de dire oh, mais telle entreprise qui a marché bien, mais résultat que ça va. Moi, je pense que ça a son obligation liée pour l'administrateur d'entreprise. Pour lui dire, ah, je vais prendre l'entreprise là, avec 10 gouttes, mais côté métal. Voilà. Ça, même au contrat de gestion, tout, où tu as bâillé l'administrateur, ça. Ou dit, monsieur, mon cher, et moi, je veux le temps, mais ça a besoin comme résultat. Monsieur, bâillé résultat, ou renouvelé. Monsieur, bâillé résultat, il est tombé. C'est moi-même toujours prends un administrateur comme un coach. Moi, maintenant. Ou le championnat, c'est qui va finir dernier, ou qui va dire bien vous, et vous finir premier. Et moi, je toujours dis. Donc, vous compétition dans les créer entre entreprises. Entre entreprises. Moi, je toujours dis ça. Je toujours dis, l'on est capable de gérer, il faut faire baisser tout l'objectif. Si l'équipe l'a éliminé, il va faire d'accord que vous virez d'eau. Bon, on a une chance. Ça qui arrive, ou même pour un coach, ou pas maîtriser la situation. Vous regardez le sport, pour moi, c'est un modèle. Moi, je toujours dis, au monde, et pour une équipe à entraîner, il faut chercher meilleur joueur. Parce que si l'équipe l'a perdu, c'est oui. Oui, allez. Mais il faut chasser meilleur joueur autour. Et jouer autour, il faut comprendre nos compétitions. Et manager qui a l'équipe là, ou bien bon résultat là, ou pas obligé de travailler dans cette entreprise. Peut-être qu'il y a une grande entreprise privée qui dit oh, bon, bon coach là, bon, employé, le mettez l'équipe là. Alors, je dis ça, là, on est dans l'équipe, il ne faut pas peur. Et je dis toujours un point sport, ou après, on est sorti dans l'entreprise pour deux. Et puis, on l'a entendu dire, monsieur très performant, on l'a entendu dire ça pour 4 pour 5. D'accord. Parce que c'est modèle ça, de gestion ça, pour nous battre. Il faut nous aller vers les résultats. Il faut nous penser, nous-mêmes, nous, moi-même, je dis ça, chaque fois que j'ai un côté, je ne vais pas dire mal faire perfection, mais moi, résultat. Pour moi, résultat est important. Parce que je connais un manager, un entraîneur, il faut viser plus loin. Et on commence là, et puis on dit, monsieur, pour mettre, monsieur, qu'a fait ça. Et puis,
pour traverser notre équipe. Mais est-ce que nous ne sommes pas capables de créer des incitations, ou bien s'il existait comme nous ne sommes pas capables de travailler en entreprise, pour nous montrer que, ok, sous les résultats, ça, et ça, nous avons l'IGF là encore, si le public est satisfait, parce qu'on est capable de faire enquête, on est capable de garder ça, nous avons pensé de l'entreprise publique et tout, qu'on a une bonne incitation en fonction du résultat qu'on a là. On a 10 entreprises publiques, après, il y a un manager qui a plus comme que l'autre manager parce que il y a un bon résultat, public satisfait, et on peut être plus comme l'État. Tout. Mais le facile pour eux. Par exemple, il y a des managers qui fixent le salaire. Moi, je dis non. Je vais fixer le salaire en vertu de ça. Je vais me dire, je vais me dire, je dis, ah, coordonnateur, nous voulons 30%. Moi, je dis, ouais, je vais nous 100% résultat et augmentation si nous avons 100% de résultat. Donc, quoi IGF là, c'est ça même, comme s'il négociait avec tout manager. Non, alors, je ne parle pas de la période que mon tabjet ou avisté. Plusieurs m'ont demandé augmentation, mais pour augmentation, il faut entreprise la performante. OK. Mais est-ce que IGF, le contrôle gestion, le fait, il est capable, c'est capable de faire une citation, ça veut dire? Non, moi, c'est là, c'est l'administrateur qui est responsable plus que mon mandat. OK. Et là, ou même, mon qui est dans le job là, et on dit, monsieur, ah, pardon, monsieur le président de l'équipe là, je dis, ah, Anessa, je vise la Ligue des Champions, oui. Je vise le championnat local là, et je vise la Coupe là. Je dis, qui sera capable de la donner? Je dis, bon, si je suis faible et potentiel, potentialité, je vais avoir tel résultat. Mm-hmm. Mais il faut me fixer d'abord l'objectif. Il faut me qui ça m'a bail. Et c'est la directeur lui-même qui a intérêt au conseil d'administration tout, oui, qui vous protège. Parce que l'on n'a pas de protection ça. Et que politiciens ont débattu, sénateurs ont débattu, députés ont débattu, ils viennent déranger les problèmes systémiques posés, puisque ils ont un bon coup qui vient, ils ont un carnaval, ils ont un à droite, ils ont un à gauche, ils ne vont pas quitter le travail. Donc, comment pour mettre cette protection également pour empêcher que l'influence politique là. Et ce deal, ce n'est pas pour Haïti, ça existe au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Même pas, c'est un instrument qui est important, c'est le contrôle là. Okay. Et leur état de budget, on dit, mais ce qu'on vous fait. Mais si tu prévois dans la rubrique parrainage 10 goudes, ou qu'on ait 10 goudes là, ou bien pour exécuter sous une période bien déterminée, parce que dans une grille d'exécution budgétaire, nous allons faire. Il faut nous faire une grille d'exécution budgétaire. Ça veut dire qu'on est qui prévoit son année pour le bail, par exemple, 25 goudes pour parrainage. Mais il n'est pas qu'à arriver dans deux premiers mois pour le gain de temps. Il y a 25 gouttes là. Il faut faire une grille d'exécution sous budget. Ou pour aller regarder pour dire, mon cher, je vais prévoir 100 gouttes pour me faire comme parrainage ou bien comme subvention. Je ne peux pas dépasser 100 gouttes là. Mais on est obligé d'accord avec puisque le budget a arrêté et une entité qui a contrôlé l'exécution du budget là, puisque le rapport trimestriel vient régulièrement dans l'entité ou qui a moyen pour garder ce que vous respectez le budget. Bon, c'est le contrôle encore qui est extrêmement important. Combien d'entreprises ont un budget? Moi-même, j'ai fait et je suis arrivé là et dans mes temps, c'est ce qui s'est passé. Et pas oublier, le budget est supposé commencer avant l'année fiscale. Là. Je suis arrivé 3 octobre. Mais est-ce que la discipline a existé que qu'on est pour faire un budget et pour exécuter le budget et chaque 3 mois, regarder comment on a évolué? La pression, ça, est-ce qu'elle existe? Oui? Là, en arrivé là, nous commençons à Santa Cadi, faire un exercice pédagogique. Et pendant que je suis dans la visite, je fais le budget, je prépare avant l'exercice fiscal. Je me soumets, je fais le ministre, tu la signes, et puis je m'exécute. Pendant que je suis dans l'IGF, je fais un exercice pédagogique pour me faire entité, pour me dire, à travers la décision qu'on prend au niveau du ministère des Finances, pour me dire, mais qui gens nous avons souhaité, nous avons aimé aller pour nous respecter les normes. Donc, la majorité des entreprises n'ont pas un conseil d'administration. Et il y a un conseil d'administration qui a deux bagages pour marquer un mémorandum qui sorti et une décision qui est prise, qui demande de mettre le conseil d'administration opérationnel ou bien ça pas gagné pour instituer. Et en deuxième lieu, majorité par un budget. Et là, je ne vais pas dire majorité par un budget, je vais regarder qui gère avec l'exécuté budget. Parce que normalement, il y a un principe, même si pas un budget, le budget a quitté là déjà automatiquement reconduit. Quand il y a nous-mêmes comme entité, qui assure le contrôle de gestion, il faut faire un budget. Par exemple, moi, dans l'exercice qui va arriver là, puisque nous avons l'exercice qui a commencé déjà en octobre, dans l'exercice qui va arriver là, je vais assurer tout un budget. C'est ça qu'il faut avoir une décision pour dire tout le monde veut un projet de budget. Le projet de budget, c'est garder est-ce que les chiffres nous sont réalistes. Qui ça a quitté pour contribuer à notre trésor public? Donc, mes amis, bonne gouvernance là, conseil d'administration,
diversifié, pas seulement monde l'État seulement, on a pas monde qui est dehors, ancien employé l'État tout. Ensuite, budget fondamental. C'est pour un bon budget national, il faut faire budget dans toute institution et le niveau capable de suivre. On a parlé de gros causes là, parce que c'est l'argent nous, et pas oublier que c'est nous-mêmes qui, entreprise, ça c'est pour nous, oui. C'est nous qui vraiment investissons là-dedans. Donc, si nous voulons un dividende, que le financier et finalement sociaux, il faut gérer plus bien. On a proposé d'en attendre quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Pour mettre bipiti 50 000 gouttes 7% à bon titan ou bénéficier 7% obligé. Samé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité femme pas guettant. Au contraire, son titan prend là, vous venez renouveler obligation BRH. Vous entendez parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH. C'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent faire petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit de plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdre nos marchés. D'ailleurs, c'est renouveler, je souhaite renouveler l'obligation BRH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à jeune, dans toute banque, à toute coopérative, qui dans la fédération, à dans l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout le monde qui ou pin parler, Carole, malais. Kounia, gen plus avantage toujours l'on entre dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous mon l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourdes. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com. 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. L'émission sera disponible sur YouTube. Nous avons pour nous analyser un problème sérieux là, en d'un budget national là, un complément. Les gens qui ont invité nous, M. Wall Dubuc, a expliqué nous qui rôle que l'entreprise publique est capable de jouer pour supporter le budget de l'État. Et toujours me tourner dans l'étude de BIDLA, parce qu'en général, nous faisons qu'on ne peut pas garder ce qui a passé. Ça a eu les best practices, au côté bas, au fait, nous n'avons pas besoin de réinventer là ou d'exécuter. La zone Colombie, c'est le pays côté entreprise publique qui a perdu moins l'argent, moins que 10%. Champion, il y a eu le Nicaragua, 95%. Qui va me situer tête là, pas bon ici là? Il est là, au mois de chiffre, c'est difficile. Exercice ça, et pas oublié. Et pas gagné longtemps. Depuis nous avons entreprise publique remonté à la surface. Et je vous dit, ça a 2 ans, 3 ans, depuis nous avons que tout on a parlé de entreprise publique. Nous n'avons pas trouvé ça, nous avons dit ça, entreprise publique représenté réellement dans l'économie, dans le budget. Bon, c'est là, et il est difficile pour nous parler, parce qu'il faut nous garder réellement une étude qui plus ou moins avancée sur 5 ou 10 dernières années pour nous
qui boit chiffré. Or, exercice ça, c'est nous faire qu'on a compris. Parce que nous pas de gens, ouais, réellement, et nous te connaissons des chiffres dans le budget, mais nous pas de gens focus réellement sur l'entreprise publique pour nous qui ça, qui pourra, comme tout le monde est toujours, et son entreprise qui a fonctionné, qui a mon travail et autres, nous sommes toujours, ouais, ça me carré, et côté social, entreprise là. Moi, le débat est important encore. Ouais, ah, faut mon travail, faut mettre là. C'est côté social, entreprise là, toujours. Ça, nous ne pas comprendre. Quantité, nous avons mis travail là, ça le coûte l'État, parce que l'obligé prend comme la taxe l'État pour la mettre en entreprise là. Et masse moun ki pa travail finalement ou d'accord avec que non c'est ça moun dit la goûte trop cher oui ça ça vient biche que poisson oui c'est ça moun était toujours comment pour faire moun comprendre que oui faut moun travail mais l'op travail au détriment d'une grande majorité ou prend comme le cas de l'EDH qui une entreprise qui était peut-être plus efficace efficiente dans les années 80 je dis à un peu de chagrin mais ça le coûtait nous je dis à 38 milliards de gouttes de subvention il pas pour compter non gain du pétrolier, mais lorsque l'entreprise a mal géré, ça a un coût sur la population. Alors, il y a une autre question, c'est que l'EDH a toujours eu le travail, mais c'est organiser le travail. Par exemple, c'est nécessité de gagner pour faire l'entreprise recevoir le travail. Par exemple, c'est une entreprise qui a gagné plus de monde que ça, mais pour rejoindre le travail, il faut avoir besoin pour organiser, parce que réellement, l'entreprise est là pour le travail, tout. Mais organiser le besoin, organiser le travail, rendre l'entreprise performante. J'essaie de mon cadeau on prend toujours au AVCT des cas de quantité mon là pour travail mais on dit bon et puisque et tout monde ça on pas voir tout monde aller bon on fait trois chiffres on dit 3 fois 24 entre vous à travailler 24 sur 24 dans trois chiffres là on travaille dans premier tranche deuxième tranche troisième tranche là ben tout monde ça va travailler mais on y a faux service là il est disponible faut me dire au monde qui vient prendre service là mais on pas mettre tout monde ça pendant que monde ça on mettre là ou pas produit réellement pour salaire ma paye. Parce que la production, c'est lui qui fait l'entreprise performante. Et si on a touché le travail, il n'y a pas ça. Par contre, moi, pour le travail, mais il faut apport mon nom, lui permettre que l'entreprise lui fait comme. Bien. Troisième partie qui gagne comme discussion dans l'étude que BID fait, parce que l'étude a fait tout. Zone, il garde entreprise publique, nous avons bon résultat, la Colombie, c'est champion. On va jouer Chili qui est bon côté. On va jouer Nicaragua, le Guatemala. Mais même capable, sans problème, déjà déterminé que le Mkapla, c'est Haïti, pas vrai? Oui. Et ouais, là, oui. Donc, en ce sens, en tant qu'entreprise là, publique, il mieux gérer, il joue un rôle complémentaire. Puis bien, parce que vous avez mis le marqué goal, mais il faut que vous marquez derrière tout, faire travailler ça là. Et c'est ça que l'entreprise publique est capable de faire pour diminuer la pression qu'a fait tout le monde pauvre. Et lorsque vous parlez d'entreprise comme pression fiscale autour de moins que 15%, l'entreprise publique a valé comme, c'est dit que vous avez chaudier, chargé tout là-dedans, vous mettez les produits, la tombe par en bas. Cette pédagogie. Comment le secteur public devait réaliser? Non, parce que, et d'abord, c'est organiser le secteur public là. Et c'est, pour me retourner encore, c'est monter le conseil d'administration, c'est gouvernance là, c'est transparence là. C'est montrer que le monde qui a géré l'entreprise là, il y a un contrat de travail. Il y a une obligation de résultat. Un chiffre disponible, travail organisé pour résultat. Hélène Baffel, ressources domestiques là, pas suffisantes. Quand il y a l'état d'impression, il faut le dépenser, ou recette pas rentrer. Donc, on a un côté de la Banque centrale là, pour nous financer déficit budgétaire. Déficit budgétaire, c'est good work, mais dehors, pas de dollars qui viennent. Taux de change là où elle est. Donc, en ce sens, il faut que nous capables de garder ensemble ça. L'État, c'est une grosse machine qui est systémique. L'autre fait erreur, ça va payer quelque part. Donc, l'aide, des fois, ça fait. Ils font fly et les gardiens mondiaux, c'est le goal qui va le prendre. Donc, encore une fois, il faut mieux comprendre que ce n'est pas seulement la corruption, mais également l'efficacité, l'efficience, la gestion, la transparence. Là, moi, je dis que la gouvernance, on va tourner sur transparence. La gouvernance. Et puis, transparence, en point, ce sont les chiffres. Il faut les chiffres disponibles. Est-ce que vous-même, comme directeur général de IGF, vous avez intention de à la fin de l'exercice fiscal, même si ce n'est pas ça, mai prochain, voilà les performances, je vais regarder, je vais aller à l'autrui, je vais aller à la poste,
moi aller BRH, moi aller BNC, après moi mes résultats. Nous commençons à exercer ça déjà à partir de collecte de données. Le nom de mon nom pour vous, état financier, vous et bilan, nous avons gardé qui ça chiffré. Et puis nous avons dit dans tel secteur, mais ça l'est. Nous avons gardé, nous dit BNC, mon gain état financier, m'a dit 600 entreprises qui porteuses. M'a dit, mais ça a pu nous présenter, mais ça l'est. Chiffre pas disponible, puisque nous commençons à collecter chiffre d'abord pour nous traiter après. Quel est mon estimé des analystes qui pensaient que si l'entreprise a géré de manière professionnelle, l'État a rentré presque 25 milliards de gouttes en dans le budget au lieu de 500 millions de gouttes là, ou bien 3 milliards de gouttes là. 25 milliards de gouttes, c'est un point intéressant. Et si EDH a sorti l'an rouge là, bon, je n'ai pas besoin d'EDH, bon, EDH couvre court simplement. Par une branche, la finance publique là. Donc si je récupère 24 milliards de DH, ça m'a fait la 25, ça m'a 49 milliards de gouttes. Est-ce que c'est pas comme ça que vous commencez à réfléchir? Non, je pense que c'est extrêmement important. Premier, ça pour nous faire, c'est permettre que l'entreprise ait créé autosuffisance. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de subvention. Là, on fait budget est respecté. Ça veut dire que ça, vous pouvez voir les recettes, c'est vous-même dépenser. C'est le premier élément fondamental. Là. Deuxième élément qu'on va gagner, c'est la capacité pour financer le budget national. Là. Pour contribuer dans la charge sociale, pour contribuer dans les services publics. Vous êtes conscient de ça que y a un rôle complémentaire ça pour le budget? Bon, je parle de l'entreprise en elle-même. Bon, parce que là, faut nous aller non, et ça fait nous. C'est toute une pédagogie pour sortir côté théâtre pour montrer au monde ça. Pour montrer au monde non, il ne suffit pas seulement que le directeur à chaque jour les toucher chaque jour, mais il connaît les bons résultats pour bail. Il connaît qu'il a créé l'entreprise là, non pas pour l'entreprise là exister pour la faire faillite, mais son entreprise qui crée, parce que moi je dis toute entreprise qui crée, ils vont faire. Et rentabilité. Il faut président, yo, pas dire président, non, président, yo, comprendre qui ou l'entreprise ça. L'Elfine fait toute promesse dans la campagne, mais il faut le capable de prendre l'argent en fiscalité plus entreprise ça. On va pas mettre n'importe qui monde dans l'entreprise ça, parce que si on met un monde qui pas porte l'argent pour finalement, c'est politiquement fini tout. Oui. On va aider tout. Oui, non, je ne suis pas fait d'accord avec vous. Tu vois, pas aider tête pour ça. Je ne suis pas fait d'accord, mais il faut que les gens ne soient pas contre la forme d'estimer le café. Qu'on a des zones encore. Je vais retourner dans la source d'État. L'État ne peut pas payer service d'État. Qui parle ça? On ne peut pas EDH. Ce n'est pas facile pour nous chuter sur EDH, mais il faut admettre tout que vous faites un EDH en pile tort. Entreprise publique ou bien l'autre organisation refuse de payer EDH. Bon, alors, il faut que je forme par le gouvernement sans crédit et de le river moi au conseil de disposition il mandé administration de l'État pour payer ces deux services qu'ils consomment par exemple mon dernier décision soit sous gouvernement qui se passe qui gouvernement actuel là côté au monde des monde qui doit EDH payer EDH monde qui doit dîner pas payer dîner pas monde qui doit prestation et prestation même songer l'homme rivé on va parler de dîner pas non là et payer dîner pas oui payer dîner pas me songer le dîner pas même c'est bloc payer dîner pas bon ça grand net il dit même pas payer tête lui alors m'ambe me songer l'homme rivé dans habiter moi dit payer moi certain tout l'homme dit qui j'ai un tout par exemple si m'a fait payer moi formation que chaque mois me payer courant me payer de l'eau me payer ça me le système finance publique là me payer au Fatma me payer ONA me paye pension civile, me paye DGI, moi-même, je pense que ça est fondamental. Ça dit, lorsqu'on fait payroll, on a dit, on exécute payroll, non moi, faut tout système financier public là, on touche, on paye impôt, ça me donne les impôts sur le revenu, on paye TMS, on paye EDH, on paye dîner pas, on paye téléphone, et on paye employeur. Et faut payer, ça me donne les une charge, nous pas jamais, c'est charge sociale là. Donc, puis l'entreprise qui pas paye charge sociale, ça me donne pour nous aller à la retraite. Faut ça est extrêmement important. Faut entreprise là, elle fait payroll là, il paye tout ça. Mais ça c'est basique, on est capable de dire opération de l'entreprise, oui. Peu importe l'institution quoi, bien à quel privé, quel public, oui. Si on pas capable de payer ça, ou on va arrêter comme la question, ou même échouer, oui. Oui, alors c'est ça. Et nous tu n'as pas encore, on prend 3 goals, on va bail, donc on perd du match à 3-0. Donc ce chiffre a perdu tout match chaque année comme ça. Et c'est ça nous tape de 40% de pertes au niveau des entreprises publiques en Amérique latine et dans la Caraïbe.
Haïti m'a demandé s'il va pas élever. Oui, alors qu'on y a un problème du pas ici là pour commencer jeune chiffre faut bataille parce que il y a un bail qui me dit ah pas même partager chiffre avec moi. Moi que ça son culture et moi pas gagner pour les chiffres. On pense il y a un bail qui permet que nous fait projection analyse c'est avec les chiffres. Parce que faut gagner données pour garder qui j'ont eu. Qui jouent à pied demain et qui jouent à pied après demain. Parce que ce n'est pas un chiffre, pas qu'à faire projection, ou pas qu'à analyser. Mais ça, tu l'as dit, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et ouais. Et tu l'as oui. Faut qu'on voit, c'est la tête là pour le sortir, pour le descendre de président, premier ministre, ministre finance, ou même le poste qu'il y a, pour descendre pression. Alors, ou... Parce que Haïtien vont défaut comme ça, n'aime pas prendre job. Mes amis, la cuisine ça fait là. Pourquoi ça m'a avoir parlé de la cuisine? Chalet gain. Alors, Mabzou, je ne sais pas quoi il y a un bon job et pour ne pas bien travailler, non? Et je pense que c'est mon lui-même qui va bien travailler. Je ne sais pas quoi pas quelqu'un qui est président, qui est premier ministre, qui a un bon job, qui va avoir pour faire pour pas faire résultat. Parce que lui-même a pris un résultat. Mais je pense que c'est mon pas une capacité ou bien pas une volonté pour faire résultat. Parce que le résultat qu'on est obligé de faire. Mais est-ce que je dis à tout, gens que non même on y tout, c'est président pour nous mettre tout bagaille. Est-ce que pas supposé que une interview qui fait, est-ce que mon répond, qui sont déjà gérés déjà dans vous, comment on capable pour mon qui pas rien parce que vous êtes bien avec, vous êtes en campagne là, après mettre responsable un bagaille qui est aussi complexe, aussi sophistiqué mes amis. Et me braler même l'affaire de DH là tout. Faut nous connaître que c'est pas un ingénieur qui obligé dicter DH. C'est pour un médecin qui supposé dicter l'hôpital général. Si vous avez formation en gouvernance, parce que bon bagaille les maîtrise en gouvernance, ça là existe tout, en management, c'est management que lié. Si je préfère pour un ingénieur avec gouvernance là, que je prends un monde qui manager pas aucun connaissance là dedans. Mais si mon choix pour me faire entre l'ingénieur et le manager, préfère pour le manager, il va être différent tout. Oui. Oui. On va chercher les résultats. Les résultats. Voilà l'élément. Résultat. Je pense que dans tout ça, c'est le résultat fondamental. Donc, docteur, je vais vous donner la dernière recommandation qui fait dans l'étude là. Par contre, c'est vous-même, au cabinet même. Vous dites comme ça qu'il faut retirer l'institution Coréa en deux ministères des Finances pour un organisme indépendant qui peut occuper le groupe entreprise publique. Ça. Pour retirer ça relé des ministères qui sous tête entreprise publique on prend par exemple ministère des travaux publics qui a contrôlé EDH même quand demander coton au ministère des travaux publics gantan ou courir dans l'arrière pour faire route ou dans l'eau ou l'électricité 24 heures pas capable. Donc voilà la recommandation de la Banque interaméricaine de développement pour la région après avoir réalisé une étude scientifique des données empiriques qui dit que même pour les entreprises publiques, de manière scientifique, politique, trop influence, systémique, parce que depuis politique entre là-dedans, il y a un premier combat, donc il y a un déséquilibre, il n'y a pas plus, et qu'on y a pour capable d'arriver à faire ça. Bon, si je vous demande, c'est moi, d'accord. Et bon, alors, je suis toujours été dans le cadre gestionnaire, parce que pas oublier les décisions ne dépendent pas, certainement. De nous directement, nous quitter pour décider, pour apprécier le rapport là. Un peu de diplomatie. Mais voilà les résultats, mes amis. Donc, mon dernier mot. Bon, et d'abord, Christian, ma promesse est Radio Métropole, Télé Métropole, et particulièrement l'émission Rendez-vous économique, qui était invité pour participer à l'émission, et moi, nous sommes disponibles pour me partager, et m'a dit auditeur, et. Merci le fait que nous te suivions et nous sommes là. Non, bien content qu'on te mette à disposition pour nous faire cet exercice-là de manière très dynamique, ensuite théorique, pratique, puisque c'est en cuisine, non, ou pas grand peu le temps. Mais l'année prochaine, on va venir m'espérer que on va porter pour nous 10 milliards de gouttes pour complément du budget national. M'espérer ça tout. Au prochain là. Ciao, à la semaine prochaine.